On se rappelle toujours sa première maîtresse. J'ai gardé de la mienne un souvenir plein d'ivresse. Un jour qu'il avait plu, tous deux on s'était plu, et puis on se plut de plus en plus. Je lui demandais son nom. Bonjour, je vous aimais vraiment. Qui c'est? Je pris le même chemin, et puis lui pris la main, lui pris tout enfin. Voici ma tablette. Voici mon cabinet. Outre ses petits petons, ses petits tétons, son petit menton. Elle était frisée comme un bouton. Elle n'était pas d'une grande intelligence. Voici ma rabotine. Quand on a 18 ans, on n'en demande pas tant. Voici mon télé. Elle n'avait pas non plus bon caractère. Non, jaloux, jaloux, j'étais même autoritaire. Pourtant, j'en étais fou. Elle me plaisait beaucoup parce que. Voici mon. Voici mon chaise. Voici mon fenêtre. Voici mon lit confortable. Voici mon candélabre. Lumière. Bonsoir. Bonjour mon loup. Dis pas non madame. Qui êtes-vous? Elle me répond, c'est moi, voyons. Valentine, devant son double menton, sa triple poitrine, je pensais rempli d'effroi, ce qu'elle a changé ma foi, dire qu'autrefois elle avait de tout petits petons, Valentine. Mais oui, Valentine. Elle avait de tout petits tétons que je tâtais à tâtons, tonton, tontaine. Elle avait un tout petit menton, Valentine. Valentine. Ses petits petons, ses petits tétons, son petit menton. Oh, yo, 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 qu'est-ce que tout ça est devenu? Oh, pauvre petite mère Valentine.